les enfants. Bonjour, Marie-Thérèse. Alors, regardez, aujourd'hui, on a correction du contrôle de conjugaison. Ce sont des leçons qu'on a déjà travaillées. Alors, ici, écris le pronom de conjugaison qui convient. Donnez-moi les pronoms personnels sujet. Vous levez le doigt. Oui. Oui, Choroc. Je suis il. Je suis il. Elle, nous, vous. Il avec S, elle avec S. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, avec S. Ce sont des pronoms personnels sujet. Et pourquoi on l'appelle pronom personnel sujet basso? Parce qu'il remplace le sujet. Tout simplement parce qu'il remplace le sujet. Alors ici, on a fait dites, venons, disent, viens. Ce sont des verbes qu'on a déjà travaillés. Ce sont des verbes du troisième groupe. Alors fait. L'infinitif de ce verbe, on dit faire. Les terminaisons du verbe de troisième groupe. Les terminaisons du verbe de troisième groupe. Lettre I. Et S, c'est le verbe de deuxième groupe. Assieds-toi. Petit I. S. Viens, ma vite. Oui, alors, on a S, S, T ou bien T. O, N, S, E, Z. Fait. Qu'est-ce que je vais écrire? Mon père. Je. Dites. Parlez. Vous. Zahir. Nous. Famille. Ziyad. Il avec S. Bien. Oui, Salimi.
Voulez, c'est le verbe vouloir, c'est-à-dire vous voulez. Tu veux. Qu'est-ce qu'il a à la fin? X. Mes voisins. Famille. Donne-moi le verbe. C'est quoi un T? Karim. Veulent. Je. Oui. Elias, oui, toi. Je. Hajar. Je veux. Qu'est-ce qu'il a à la fin? Un X. Nous voulons. Est-ce que ça, c'est difficile? Non. Ce sont que des verbes qu'on a déjà travaillés. Ce sont des verbes de troisième groupe. On a déjà fait des leçons. On a fait des exercices dans le cahier de classe, dans votre cahier d'exercices, dans les ardoises. Et il y a des méchants qui n'ont pas eu de bonne note. Il y a des enfants qui travaillent qui ont un 10, des méchants qui n'ont pas de bonne note. Alors maintenant, corrigez. Merci.